Ladies and gentlemen, let me introduce a bit myself. My name is Nicolas Louis Boel, and I'm the CEO of Altissea Organization, whose mission is to provide access to language learning to everyone in the world, and we like to say that language empowers people. Madame Hidalgo, la maire de Paris, pour cette assemblée, madame, je pourrais tenter de vous décrire comme étant une femme qui a réussi. Ce serait m'introduire sur un terrain fort scabreux, tant il paraît signifier qu'être femme ne permettrait pas, en évidence, de réussir dans ce bas monde. Ou alors que réussir n'a de sens que dans une signification politique, mercantile, intellectuelle. Madame, saviez-vous qu'il se dit aujourd'hui que Diotime, figure emblématique du banquet de Platon, est une femme dont Socrate aurait tiré une bonne partie de son enseignement ? Telle était peut-être une partie de votre mission, d'ailleurs, comme première femme adjointe au maire de Paris, pour ensuite devenir première femme de Paris, première femme maire de Paris, première femme de Paris, d'ailleurs. Mais madame, oublions cette expression qui devrait être désuète aujourd'hui pour définir l'exception en décrivant une femme comme première femme à devenir ceci ou première femme à devenir cela. Prenons de la hauteur. Madame, vous avez des velléités de combat. Et comme représentant de mon organisation, Altissea, qui se bat elle aussi pour la connaissance de sa langue, sa culture, la langue de l'autre et la culture de l'autre, je ne peux qu'adhérer à cette lutte pour la diversité, pour la biodiversité, pour la humadiversité. La humadiversité. Alors si, comme moi, vous entendez ce mot pour la première fois à l'instant où je vous parle, il signifie un monde où la femme et l'homme ont l'humilité d'agir pour l'ensemble du bien de l'univers, pour le bien de ses semblables, certes, mais qui ne sont pas que de son espèce, mais l'ensemble de la faune, de la flore, de la terre et de l'inconnu. Madame, votre combat politique a l'obligation de résultat, et vos actions témoignent de cette volonté. L'agriculture urbaine, qui ferait fi des mansuétudes laxistes faites aux fongicides et autres pesticides. La nature en ville, moteur de création d'emplois, moteur du lien social, moteur de la lutte contre la pollution atmosphérique. Votre leadership, tant en France, quand il s'agit de fédérer les maires dans les négociations de la COP21, et responsabiliser les grandes et les petites métropoles pour sortir des sentiers battus et innover pour dérégler ce dérèglement climatique qui aime être défini comme systémique, sans doute par facilité ou déresponsabilisation. Madame, vous présidez le C40, Cities Climate Leadership Group, et vous signez avec des métropoles telles que Los Angeles ou Mexico, une déclaration pour vous engager à tendre vers le zéro émission. Soit dit en passant, je viens de Mexico, il y a encore du pain sur la planche, madame. Madame, des exemples de votre expertise et de votre implication dans notre bien-être, j'en ai encore à profusion, mais je n'avais que 3 minutes. Madame, il ne suffit pas que l'homme et la femme soient au centre des préoccupations, mais par contre qu'ils soient au centre de la réflexion de la mondialisation. Osez parler d'une inclusion sans inclure les premiers concernés, c'est-à-dire toutes les femmes et tous les hommes, serait une faute, et vous, vous l'avez compris. Ladies and gentlemen, I would like you, I beg you to welcome and applaud warmly Madame Hidalgo. Très, très chers amis, merci à ceux qui ont eu cette idée très visionnaire un jour de créer cette conférence de Paris et cet espace de dialogue. Merci à vous, hommes d'affaires, mais hommes d'affaires impliqués dans la vie de nos sociétés, dans l'évolution du monde. Merci d'avoir eu cette idée de génie, de nous retrouver ici chaque année pour débattre, dialoguer, échanger, trouver des solutions et faire parler des mondes qui parfois, dans un très ancien temps, ne se parlaient pas. Les mondes politiques, le monde citoyen, le monde des ONG et le monde des entreprises. Nous savons ensemble qu'aujourd'hui, vu l'état du monde, il y a nécessité à avoir de très très larges alliances à l'échelle de la planète et sur chacun des territoires pour pouvoir avancer. Je veux remercier bien sûr Angel Gurria, qui est notre hôte ici, et lui dire, à lui et à toute son équipe, un immense merci.
Parce que c'est vrai que d'avoir une organisation internationale qui se préoccupe de l'économie, de nos sociétés, de nos économies, soit aussi impliquée, aussi visionnaire, aussi soucieuse de nourrir sa connaissance, sa compréhension du monde, de tout ce qui s'y passe, en faisant appel à toutes celles et ceux, scientifiques, économistes bien sûr, mais sociologues, ethnologues, chefs d'entreprise, responsables politiques, faire appel à toutes ces personnes qui ont un rôle actif ou une pensée sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde pour essayer d'éclairer les pays et éclairer les décideurs, qu'ils soient dans le monde économique ou dans le monde politique, c'est quelque chose de très important. Et ça me touche que ce soit à Paris, dans cette organisation, cette grande organisation, que nous ayons connu ces dernières années, ces avancées remarquables, notamment autour de cette problématique de la croissance inclusive que le CDE a poussée, à porter et qui est aujourd'hui reprise par beaucoup de décideurs et de responsables politiques et aussi, bien sûr, des décideurs économiques. Alors, vous dire quelques mots d'abord sur d'où je parle. Je parle, vous l'avez dit, d'une ville, une ville-monde. J'en suis la maire, je suis heureuse d'en être la maire. C'est une ville extraordinaire, inspirante. Une ville-monde qui, comme toutes les grandes villes-monde de cette planète, est un petit morceau de planète où s'organisent des humains avec leurs fragilités, leurs faiblesses, leurs forces, leurs désirs, leurs angoisses. Et puis je parle aussi depuis une position qui est celle de présidente du C40, vous l'avez dit, je vous remercie dans votre propos introductif. Le C40, cette organisation mondiale des villes, qui réunit aujourd'hui 98 des plus grandes métropoles mondiales engagées sur les questions de climat. Et ce C40 qui a connu une évolution très importante lorsque Michael Bloomberg était maire de New York et qu'il est devenu président du C40. Il a porté cette organisation et dans son dialogue notamment avec les entreprises à un niveau qui nous permet aujourd'hui d'avancer, de travailler et de mieux comprendre le monde. Je parle aussi d'un endroit qui est une responsabilité qui m'a été confiée par l'OCDE, des Champions Mayors, qui est aussi ce regroupement d'une soixantaine de grands maires sur la planète qui nous permettent d'être les ambassadeurs, les leaders très actifs de cette question de la croissance inclusive. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Le monde est inquiétant, le multilatéralisme est en danger, la nécessité de porter une parole forte, de s'appuyer sur des actes importants à l'échelle internationale nous paraît toujours plus importante et en même temps ces actes internationaux, ces traités internationaux sont combattus par ceux qui combattent le multilatéralisme. La France est heureusement un des pays qui, dans le monde et en Europe, défend, avec notre président de la République, ce multilatéralisme sans lequel rien ne serait possible dans ce monde aussi complexe. L'angoisse, l'anxiété des peuples, les révoltes, les mobilisations citoyennes, des révoltes qui prennent des dimensions extrêmement violentes, qui en vont jusqu'à destituer ici un président de la République élu, à tel autre endroit créer les conditions qui font que les systèmes politiques, les démocraties sont partout fragilisées. Ce monde, c'est celui que nous avons fabriqué et que nous sommes en train de léguer à nos enfants. Et on n'en est pas fiers. On n'en est pas fiers du tout. Parce que dans ce monde où peut-être ces 30, 40 dernières années, nous nous sommes dit que finalement la croissance pouvait être infinie, qu'il suffirait de faire croître nos économies pour que tout le monde en profite, et puis que de toute façon, ceux qui en profitent, c'est ceux qui le méritent, puisque les autres, s'ils n'y sont pas, c'est qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour y être. Je vous parle d'un passé assez lointain, mais il y a une trentaine d'années,
J'étais dans une entreprise et un jour, en discutant avec un des patrons de filiale, je m'occupais des questions sociales dans cette entreprise, ce patron de filiale me dit, écoutez, si à 50 ans on est ouvrier spécialisé, c'est bien qu'on n'a pas pu et qu'on n'a pas les compétences pour faire autre chose. Je me suis permis de dire à cette personnalité que peut-être que lui, dans la même situation que l'ouvrier spécialisé venant d'une famille d'immigrés qui n'avait pas accès à la culture, à l'enseignement et à l'enseignement supérieur, il serait peut-être ouvrier spécialisé. Tant effectivement, les conditions de vie, les conditions dans lesquelles nous évoluons impactent notre destin. Et aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est que beaucoup de femmes et d'hommes sur la planète, ici aussi à Paris bien sûr, considèrent qu'elles sont assignées à un destin qui ne leur laisse aucune liberté, ni pour eux, ni pour leurs enfants. Je veux parler bien sûr ici de ce que nous voyons partout sur la planète, cette anxiété, cette angoisse, notamment des classes moyennes, des femmes et des hommes qui ont fait beaucoup d'efforts pour vivre de leur travail, qui ont essayé d'élever dignement leurs enfants, de leur donner un avenir, et qui se disent « ils n'ont pas d'avenir, c'est bloqué pour eux ». Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde-là, avec cette angoisse, bien sûr, d'un déclassement réel, parce que c'est difficile de se maintenir dans ce monde extrêmement compétitif et concurrentiel. Et puis, il y a un autre élément qui vient ajouter à l'anxiété des peuples, c'est bien sûr la question climatique. Et sur la question climatique, force est de constater que beaucoup n'ont pas encore compris que nous avons 10 ans, tout au plus, pour pouvoir agir, transformer profondément notre modèle, ou ne plus avoir du tout, de capacité à intervenir sur l'évolution d'une planète qui nous aura totalement échappé. Nous avons 10 ans, c'est ça l'horizon. Ce sont les scientifiques qui le disent et ils ont été suffisamment nombreux. Et nonobstant, cette parole des scientifiques, ces rapports, ces études qui sont produites, présentées, diffusées par des grandes organisations internationales, par l'ONU également, bien sûr, nonobstant ces paroles-là, on continue à avoir du scepticisme, à tel point que les États-Unis sont sortis de l'accord sur le climat, à tel point qu'un certain nombre d'entreprises nous expliquent que, oui, d'accord, le pétrole, dans 60 ans, c'est fini, mais il vaut mieux continuer encore tant qu'il y en a sur les 50, 60 ans qui viennent, plutôt que d'investir massivement dans les énergies non carbonées et vers les énergies renouvelables et recyclables. Je veux saluer le groupe Engie qui, très visionnaire, est en train de décarboner absolument tous ses actifs, parce que ça fait partie de ces grands groupes qui ont compris que le monde de demain ne pourrait pas être fait sur la base de ces énergies fossiles. Et donc, on sait, la science est là, les connaissances sont là, et des décideurs extrêmement influents, que ce soit dans le monde économique ou dans le monde politique, décident de regarder ailleurs. Comme j'ai dit, en reprenant cette belle phrase de Jacques Chirac, « La planète brûle et on regarde ailleurs », moi j'ai choisi à Paris, parce que j'ai vu que la planète brûlait, de ne pas regarder ailleurs. Et il faut affronter. Il faut affronter cette situation. Ce qui est compliqué, parce que nous avons affaire, dans l'explication de ce qui se passe, à de la désinformation, à de la déstabilisation, à de la déstabilisation de nos démocraties, de nos systèmes médiatiques. Et donc, il est très difficile de porter un message puissant et confiant sur le fait que nous devons transformer profondément nos systèmes économiques, nos systèmes sociaux, pour qu'il n'y ait plus ces angoisses par rapport à l'avenir et que nous puissions, dans une alliance beaucoup plus large, engager résolument la transition écologique et énergétique dont nous avons besoin et sans laquelle nous ne survivrons pas. Et donc, il faut que nous puissions porter ces messages, mais c'est compliqué de les porter, parce que les intérêts, parce que les lobbies, parce que celles et ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change sont quand même encore aujourd'hui très puissants. Je pense que lorsqu'on regarde
dans les différentes grandes villes du monde, ce qui se passe, les débats, les politiques menées, par exemple, par mes collègues des grandes métropoles mondiales. Je vois dans la grande majorité de ces villes des politiques très progressistes. Parce que dans nos villes, à l'échelle de ces territoires, on a compris que une société qui ne tenait pas compte des générations qui viennent et donc des enjeux climatiques pour les générations qui viennent, une société qui ne tient pas compte d'un besoin de protection, de cohésion sociale, est une société qui va vers le chaos. Nous l'avons compris à l'échelle de nos villes, parce que dans nos grandes villes, ça c'est une de mes expériences en tant que maire de Paris et présidente du C40 et des Champions Mayors, c'est que dans nos villes, nous sommes en première ligne de front des effets de la mondialisation, des effets positifs, par exemple. La mobilité des populations créatives qui viennent d'une ville à l'autre apporter leurs connaissances, leur culture, leur envie d'innovation. Tout cela, c'est quelque chose de très positif et toutes nos grandes villes en profitent. Paris est une ville qui attire de façon très importante toutes ces populations créatives. Mais il y a aussi les effets plus désastreux de la mondialisation quand elle n'est pas régulée, quand elle n'est pas accompagnée. Je pense par exemple à la question des réfugiés, des migrants qui quittent leur pays d'origine parce que soit il y a la guerre, le terrorisme, le changement climatique, il y a toujours une raison fondamentale qui fait que des femmes et des hommes vont chercher le bien-être ailleurs et ils vont là où il y a de la lumière et dans nos grandes villes il y a de la lumière, donc ils viennent dans toutes nos grandes villes. Et nous avons dans nos grandes villes les populations créatives qui vont bien et ces populations qui viennent chercher refuge, assistance, protection. Et nous savons dans nos grandes villes que si nous ne créons pas les conditions d'une acceptation de chacune et de chacun, qu'il faut non seulement s'intéresser à ceux qui vont bien, à nos forces, continuer à les faire venir, mais aussi s'occuper de ceux qui vont moins bien, parce que l'humain a une condition qui est fragile, quelle que soit la personne, quel que soit d'ailleurs son milieu social, un jour ou l'autre, tout être humain est confronté à sa propre fragilité ou à celle de son entourage. Et donc, il faut s'intéresser à cette fragilité. Et ce que j'ai vu à Paris, ce que je vois dans beaucoup de grandes villes, mais qui est vrai à Paris, c'est que la capacité d'innovation de notre ville, sa capacité créatrice, y compris dans la création d'entreprises, elle se fonde sur quoi ? Sur tout ce qui peut venir soulager nos fragilités. C'est quand on s'intéresse à ceux qui sont faibles qu'on est le plus créatif et qu'on produit de la richesse. Et qu'on produit de la richesse qui va être une richesse plus inclusive que celle que l'on fait juste pour continuer à être bien dans l'entre-soi et surtout à ne pas regarder ceux qui vont mal. Et une ville comme Paris est une ville qui, ces 5, 6, 10 dernières années, a vraiment puisé sa force, y compris sa force de résilience face aux événements qui nous ont frappés pendant ces 5 dernières années. Hier, nous commémorions les attentats du 13 novembre 2015, y compris la force de résilience qu'une ville comme Paris a, nous l'avons puisée dans cette capacité créatrice des Parisiennes, des Parisiens venus de tous les continents et qui se sont dit « il faut qu'on s'intéresse à ce qui ne va pas bien pour régler ce qui ne va pas bien ». Et les entreprises, les jeunes entreprises que nous avons sur notre territoire parisien, elles se sont intéressées ces 5 dernières années à deux grands sujets, la question de l'inclusion sociale et la question du réchauffement climatique. Et c'est ça qui tire aujourd'hui ce mouvement créatif, ce mouvement qui doit nous permettre, parce que je reste optimiste dans ce monde qui va mal, qui doit nous permettre de surmonter ces difficultés. Quand je regarde sur l'ensemble de la planète, quand je regarde les femmes et les hommes qui s'engagent aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux, je vois qu'en fait, nous sommes vraiment majoritaires. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense à vouloir faire en sorte que le progrès bénéficie à tous, sinon, il ne sert pas à grand-chose.
que les disparités dans nos sociétés ne soient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, parce que sinon, ça les fragilise. Et quand on est fragilisé, c'est le chaos, la guerre et la fin des démocraties. Nous sommes très majoritaires à avoir envie d'élever nos enfants là où nous sommes nés et pouvoir permettre à nos enfants de grandir là où ils sont nés. Nous sommes très majoritaires sur la planète à avoir envie de donner une éducation à nos enfants parce que nous savons sur la planète toutes et tous, quel que soit notre continent de naissance ou notre origine sociale, nous savons que c'est l'éducation, la culture qui élève, qui permet de rencontrer les autres et qui permet aussi de choisir sa vie, d'être le plus libre possible dans le choix de son destin. Nous le savons tout ça. Ça fait partie de ce que nous savons en tant qu'humains et que nous partageons vraiment de façon très, très claire et très précise. Nous sommes majoritaires, mais nous sommes confrontés à des mouvements extrêmement puissants qui veulent que rien ne change. Alors, je pense que l'alliance des villes, l'alliance des progressistes, de celles et ceux qui, dans le monde économique, considèrent qu'il faut aller vers cette croissance inclusive, qui considèrent que la transition écologique et énergétique est un moteur exceptionnel qui doit aussi nous permettre de repositionner nos modèles économiques d'une façon qui soit moins prédatrice pour la planète, qui soit moins impactante sur l'environnement, qui soit plus respectueuse de nos enfants et de ce que nous allons leur laisser. Cette alliance-là, elle se fabrique ici. Elle vit ici. Et je pense que c'est cette alliance que nous devons porter ensemble, avec des actes concrets. Ce que nous faisons dans les villes, ce que j'essaye de faire dans une ville comme Paris. Alors, je vais conclure mon propos en vous disant que je pense que toutes ici et tous, nous voyons ce qui se passe dans la jeunesse et notamment chez nos adolescents. Nous sommes certainement un certain nombre à avoir des adolescents à la maison et à voir qu'ils ne pensent plus du tout le monde comme nous. D'ailleurs, ils nous le disent. On ne vivra pas comme vous. Il faut les écouter. Il faut essayer d'intégrer ce qu'ils nous disent. Au début, moi, quand j'ai vu mon fils me dire ça, je me suis dit, c'est peut-être l'éducation que tu lui as donnée qui fait qu'il dit cela. Et en fait, il n'est pas tout seul. Ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça dans cette génération. Tous. Et ce qu'ils nous disent est très fort, très puissant. Nous ne pouvons pas faire comme si c'était une crise d'adolescence. Non. En fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'eux sont beaucoup plus matures que nous ne le sommes. Parce qu'ils ont compris ce qui se passera si nous ne faisons rien aujourd'hui, si nous ne changeons pas profondément de modèle. Ils vivent dans une angoisse de l'avenir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nos enfants vivent dans l'angoisse de l'avenir. Ce n'est absolument pas normal. Nous devons donc les entendre, les écouter, les mettre au cœur du processus de nos décisions et avec eux, envisager ce monde qui vient. Je crois que y compris dans un forum comme celui-ci, avoir la possibilité d'avoir ces jeunes qui s'organisent dans des organisations de jeunes partout sur la planète, ceux qui manifestent tous les vendredis dans les villes de la planète sur la question du climat. Nous avons un intérêt collectif à les entendre aussi et à écouter parce que c'est avec eux qu'on va pouvoir construire ce monde qui vient. Alors je reste profondément optimiste parce que quand on est maire de Paris et qu'on voit cette énergie qu'il y a dans cette ville, quand je vois cette volonté d'avancer, de créer ce monde en tenant compte et de la planète, parce que ce qui est bon pour chacun qui doit être bon pour la planète et donc bon pour l'humanité, je pense que nous avons devant nous beaucoup, beaucoup de sujets à reconstruire, à envisager sous un prisme nouveau, mais je pense que nous avons les intelligences, les compétences, les convictions suffisantes et nécessaires pour pouvoir le faire. Nous le devons à nos enfants, alors faisons-le. Merci.